Comment être à la fois photographe, comédienne, anthropologue et militante? Eslanda Hobson a eu plusieurs vies en une seule. L'Américaine vit à Londres au tournant des années 30, où elle étudie un peu la photo, un peu l'anthropologie. Là, elle se lie d'amitié avec des étudiants qui militent contre la colonisation, notamment britannique. Et elle suit les cours de Bronisław Malinowski, qui a marqué l'anthropologie en créant la méthode d'observation participante. Et justement, en 1936, elle entreprend un grand voyage pour documenter la vie quotidienne en Afrique de l'Est. Eslanda Hobson embarque son fils de 8 ans, un appareil photo, direction l'Afrique du Sud. Elle y rencontre des mineurs et des militants de l'ANC, le parti anti-apartheid, et dénonce le système colonial. Son statut de femme noire militante fait qu'elle va regarder et faire un récit très très différent sur l'Afrique que les récits qu'on connaît, par exemple en France, l'Afrique fantôme, même si c'est un texte important. Elle ne va pas profiter de sa situation d'anthropologue issue de l'Empire, qui même avec les meilleures intentions du monde, va être un dominant dans sa manière de travailler. Hobson s'intéresse aussi au sort des ouvriers et des fermiers lorsqu'elle poursuit son périple au Congo belge, à Zanzibar, en Ouganda, au Kenya. Presque 10 ans plus tard, elle en fait le récit dans un journal à succès. De quoi sortir de l'ombre de son mari, qui est une star à l'époque. Car en plus d'avoir été le premier noir dans l'équipe des États-Unis de foot américain, tout en étudiant à l'Université de Columbia, il est aussi un grand acteur et chanteur.